concentration en ions dans une solution. Exemple de la solution d'hydroxyde. Lorsqu'on dissout un solide ionique dans un solvant, on obtient une solution aqueuse contenant des ions et des molécules d'eau. Par exemple, lorsqu'on dissout l'hydroxyde de barium de formule BaOH2+, on obtient une solution qui contient des ions barium de formule Ba2+ et des ions hydroxyde de formule HO- dispersés dans la solution et entourés de molécules d'eau. Voici le cristal d'hydroxyde de barium avec les ions barium et les ions hydroxyde. Une fois dissous, les ions barium sont entourés de molécules d'eau. Les ions hydroxyde sont eux aussi entourés de molécules d'eau. Les ions hydroxyde et barium sont dispersés parmi les molécules d'eau dans la solution. La concentration molaire en soluté apportée est définie par la relation C égale N de soluté sur V, N étant la quantité de soluté introduite, V le volume de solution, et C la concentration molaire en soluté apportée. Dans cette relation, N de soluté s'exprime en mol, V en litres et C en mol par litre. L'équation de la dissolution s'écrit BaOH2+, donne Ba2+, plus 2HO-. Le tableau descriptif de l'état du système, appelé aussi tableau d'avancement, permet de déterminer les quantités d'ions présentes dans l'état final et de les comparer à la quantité de soluté apportée. On note la quantité de soluté apportée, N de BaOH2+, égale N de soluté. Complétons le tableau descriptif de l'état du système. On écrit l'équation de la réaction de dissolution. BaOH2+ donne Ba2+, plus 2HO-. La ligne suivante permet de décrire l'état du système avec les quantités de matière présentes de BaOH2+, Ba2+, et HO-. Dans l'état initial, l'avancement X vaut 0. On introduit une quantité N de soluté et on a 0 mol de Ba2+ et 0 mol de HO-. Dans un état intermédiaire, l'avancement est X, il reste N de soluté moins X de BaOH2+, et s'est formé X mol de Ba2+ et 2X mol de HO-. Dans l'état final, on atteint l'avancement maximal Xmax. Il reste N de soluté moins X max mol de BaOH2+, et s'est formé X max mol de Ba2+, et 2X max mol de HO-. Si la totalité de l'hydroxyde de barium est consommée, c'est-à-dire si la totalité de l'hydroxyde de barium est dissous, il n'en reste plus dans l'état final, c'est-à-dire que N de soluté moins X max est égal à 0. On peut en déduire que X max est égal à N de soluté, et que la quantité de Ba2+ vaut N de soluté, tandis que celle de HO- vaut donc 2 fois N de soluté. Dans la solution, il y a donc, lorsque tout le soluté est dissous, une quantité N de Ba2+ qui est égale à N de soluté, mais une quantité de HO- égale à 2 fois N de soluté. La concentration molaire en ion barium est définie par la relation concentration en Ba2+ égale N de Ba2+ sur V. Ici, N de Ba2+ vaut N de soluté. On retrouve donc la relation concentration en Ba2+ égale N de soluté sur V égale C. Dans cette relation, les unités sont identiques, N en mol, V en litre et concentration en mol par litre. La concentration molaire en ion hydroxyde est définie par la relation concentration en HO- égale N de HO- sur V. Mais dans cette relation, N de HO- est égal à 2 fois la quantité de soluté. On a donc concentration en HO- égale 2N fois soluté divisé par V, ce qui fait 2C. Dans cette relation, la quantité s'exprime en mol, le volume en litres et la concentration en HO- en mol par litre.
Lorsque l'équation de la dissolution s'écrit BaOH2 fois donne Ba2 plus 2H au moins, on distingue donc la concentration en soluté apportée, C, la concentration en ion barium, Ba2 plus égale C, et la concentration en ion hydroxyde, H au moins égale 2C. Dans la solution, la concentration en ion hydroxyde est le double de celle de la concentration en ion barium.